prise pour des idiots et des simples d'esprit. Je voudrais montrer que l'autisme n'est pas un retard mental, mais plutôt un mode de pensée très différent. La perception d'un autiste est plus aiguë que la nôtre. Ils ont la capacité de voir le monde juste comme il est, c'est-à-dire de percevoir les formes, les lumières, les mouvements, sans, comme le fait l'homme ordinaire, immédiatement les nommer ou les caractériser. Ils savent mille choses. Le parfum des roses, le secret du vent. L'oiseau est leur ami, le soleil est leur confident. Et surtout, ils savent mieux que quiconque que vivre, c'est important. Être autiste ne signifie pas être inhumain. Cela signifie « étranger ». Cela signifie que ce qui est normal pour les autres ne l'est pas pour moi. Et ce qui est normal pour moi ne l'est pas pour les autres. Je suis comme un extraterrestre, échoué sur la Terre, sans manuel d'orientation. Mais ma personnalité est intacte. Je trouve beaucoup de valeur et de sens à ma vie. Et je n'ai aucune envie d'être guérie de moi-même. Accordez-moi la dignité de me rencontrer et de reconnaître que nous sommes également étrangers l'un à l'autre, que ma façon d'être n'est pas simplement une version déficiente de la vôtre. Interrogez-vous sur vos présupposés. Travaillez avec moi à construire davantage de ponts entre nous. Je veux suivre, caméra à l'épaule, l'expérience de musicothérapie originale créée par l'instrument dit l'Omni de Patrice Moulet. Ce que je veux montrer par l'image, c'est comment le dispositif musical nous fait littéralement voir ces enfants comme des personnes infiniment singulières. Le mouvement des enfants se combine dans une chorégraphie d'une grande beauté, qui n'est pas sans rappeler celle des ballets de Merce Cunningham, qui privilégie les formes chaotiques. Je veux faire voir leur visage et leur expression comme quelque chose d'absolument unique. Les arracher à l'écrasement de leur singularité si caractéristique de la perception commune des polyhandicapés.